normalement. Ouais. T'aimes bien? Il est super beau. Il est beau. Et wow. Ah ouais? Il est bien gaulé. Mate-moi ce petit cul. Regarde, t'as vu? T'aurais pas un 06 par hasard? Allez, fais pas ton timide. C'est tombé, il se la bête trop de toute façon. Il est relou, hein. Putain les gars, vous avez vu les filles comment on parlait? Ils sont déchaînés aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Non, elles ont toujours été comme ça. Ouais, de vrais charreaux depuis le début de l'année. Ah bon? J'avais pas remarqué, hein. Putain Alix, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait, pourquoi? Tu viens de me toucher les fesses. Ça va, c'est rien. Bah non, j'ai pas envie que tu me touches les fesses. Écoute, si tu voulais pas que je te touche, t'avais qu'à pas tailler comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont mes habits? Bah, tu t'habilles avec une tenue qui dit viens me tripoter et après t'assumes pas. Quoi? C'est n'importe quoi. Et puis je m'habille comme je veux. Oui, tu t'habilles comme tu veux, mais après, il faudra pas se plaindre si t'arrives un truc. C'est n'importe quoi. Et vous les gars, vous dites rien? Bah c'est vrai qu'en même temps, t'es un peu habillé comme un... Comme un quoi? Non, c'est rien, laisse tomber. Oh, tiens, ma ta soeur qui arrive. Salut Arthur. Oh, salut Léa, content de te voir. Attendez, j'ai une blague. Vous savez pourquoi les mecs, ça soit toujours les jambes écartées? Non. Bah, pour laisser leur cerveau respirer. Bon, non, c'est nul. Elle est drôle. Ah non. Ah si, ça y est, on sait que vous pensez qu'à ça, vous les mecs. Qu'à quoi? Bah, au sexe, purée, vous êtes long aujourd'hui. Attendez, j'en ai une autre. C'est quoi l'année préférée, les gars? Je sais pas. 1664. Et pourquoi? Bah, 1664, la bière, quoi. Ok, donc pour toi, en fait, tu penses que les mecs, ça aime boire de la bière et penser qu'au sexe? Oh, ça va, c'est pour rire. T'as beau être mon frère, t'es quand même coincé comme mec, hein. Je sens dans 2 minutes, tu vas me dire que les mecs, c'est infidèle, ça pleure jamais et ça se gratte les couilles en regardant un match de foot. Ah, c'est vrai que je le fais, ça. Enfin, non. C'est quoi cette galerie cliché sur les mecs? Ah, j'ai compris. C'est une blague. En fait, vous êtes complices, vous tous. Non. Mais de quoi tu parles? Le prof de théâtre m'avait demandé de faire une fille qui se bat, et moi, du coup, j'ai fait... comme ça, pour rigoler. Et du coup, vous voulez me donner une leçon? Non, je te l'ai dit, les filles ont toujours été comme ça. Moi, depuis que je suis tout petit, je me fais harceler par ma voisine. Ok, c'est bon, j'ai compris. La blague a assez duré, on arrête maintenant, ça suffit. Je comprends pas de quoi tu parles, ça a toujours été comme ça. Hein. Bon, les gars, faut qu'on aille en cours là, on va être en retard sinon. Ouais, c'est t'as raison. C'est encore nous? Ça va? Non, mais. Ça va, mais... Ça va, non, mais... arrêtez! Allez, regarde! Stop! Non! Arthur? Quoi? Tu te fais toujours harceler par ta voisine? Mais... De quoi tu parles? Non, rien, oublie. Léa? Ouais? Tu peux me dire une blague, s'il te plaît? Qu'est-ce qui est vert et qui va de haut en bas? Je sais pas. Un petit poids dans un ascenseur? Ok, non, c'est de la merde, mais ça va, c'est bon. C'est revenu qu'on va pas. 6 femmes sur 10 ont déjà subi des propos sexistes dans la rue, et une femme sur 10 a déjà été victime de viol. Alors, on continue comme avant ?